Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo très importante pour vous comme pour moi. J'ai une excellente nouvelle à partager avec vous. J'ai enfin acheté mes billets d'avion pour ma prochaine destination. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous découvrirez où et quand je vais partir. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, soyez les bienvenus. Je m'appelle Elvis, j'ai 46 ans et j'ai créé cette chaîne YouTube l'année dernière à l'occasion d'un voyage en Thaïlande dont je rêvais depuis très longtemps. J'ai acheté une moto d'occasion baptisée Cocotte pour sillonner les routes du pays sur près de 20 000 km des plages du sud de la Thaïlande aux montagnes du nord en passant par les plaines de Lisan et la frontière avec la Birmanie. Comme on dit, une image vaut mille mots. Alors je vous ai préparé une petite vidéo pour vous faire une idée de ce que j'ai pu découvrir dans ce magnifique pays qu'est la Thaïlande. On se retrouve juste après. Traverser le pont. Oh là, il y a une... Oh punaise! Oh, oh mon dieu! Elle est mais gigantesque! C'est vraiment chouette, toutes ces fleurs, les papillons. Voilà. Can I have one? Spicy, please. Lemon, ok. Chili, ok, too. Allez, cocotte, je sais que tu préfères le bitume, mais t'en es capable et on est bientôt arrivé. Hop là! Oh là 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 là! Je vais essayer de rejoindre la terre ferme sans me casser la gueule, première étape. Oh putain, ça glisse à mort. Pas sûr que ça soit une bonne idée de continuer, non? C'est une patinoire. Oh putain. Oh, sérieux? Eh ouais. On peut rentrer dans le dragon. Hot sauce. Yeah. Pète. Ah ok. Pète, pète. Alors, ça vous a plu? En tout cas, moi, j'ai adoré ça. À la base, j'avais prévu de visiter d'autres pays. Mais ces 9 mois à moto en Thaïlande m'ont éclaté. Il fallait vraiment que je rentre en France pour faire une pause. Et quand je parle de pause, je déconne pas. J'ai pris 10 kilos depuis que je suis revenu ici. C'est l'horreur. Il est temps de reprendre des choses en main car je vais avoir besoin d'être en forme pour mon prochain voyage. Opération Rocky Balboa dès aujourd'hui. On va faire simple et efficace. Kettlebell, corde à sauter et exercice au poids de corps pour retrouver du tonus musculaire, marche à pied et vélo pour préparer le cardio
et me préparer à ce qui m'attend dans pas longtemps. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas fait grand-chose depuis que je suis revenu fin décembre, si ce n'est travailler sur le nouvel habillage graphique de ma chaîne et composer de nouvelles musiques. Car oui, tout ce que vous voyez et entendez ici sur ma chaîne, c'est Bibi qui l'a fait, c'est du 100% artisanal. Certains d'entre vous m'ont demandé où ils pouvaient écouter mes musiques. Eh bien, je vous ai entendu, car je vais les publier ici, sur ma chaîne. Je les sortirai régulièrement à partir de ce jour, et ce, jusqu'au jour de mon départ. En parlant de départ, il est temps pour vous de découvrir quelle va être ma prochaine destination. C'est un pays que j'ai eu le bonheur de visiter en 2017 et j'ai su dès que j'y ai mis les pieds que j'y reviendrai un jour. J'y suis allé avec l'un de mes frères et nous avions déjà à l'époque filmé l'intégralité de notre voyage. Du coup, j'ai ressorti tout ça du placard et je vais vous faire un petit montage. Allez Elvis, le moment est venu, fais péter la vidéo! On part bientôt ensemble au Japon. Bon sang, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis impatient de partager cette aventure avec vous. Si vous me suiviez déjà avant cette vidéo, vous connaissez un peu ma façon de voyager, avec un budget serré et en essayant de sortir des sentiers battus. Ce qui était facile en Thaïlande le sera beaucoup moins au Japon. C'est un pays qui coûte cher et qui laisse moins de place à l'improvisation. Mais peu importe, je m'adapterai comme d'habitude.
J'arriverai là-bas le 6 septembre et je ne commencerai ni par Tokyo, Kyoto ou Osaka. Ça vous laissera le temps de réfléchir à la ville qui sera le point de départ de mon aventure au Japon. Alors, si comme moi vous êtes chaud patate pour découvrir le pays du soleil levant, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et vos amis et abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Merci! Je sortirai au moins une vidéo d'ici à mon départ pour vous parler de tous les petits trucs à prévoir avant de partir pour le Japon. Et puis on fera le tour de mon sac à dos car ces 9 mois passés sur les routes de Thaïlande l'année dernière m'ont appris pas mal de trucs à ce sujet. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais remercier du fond du cœur ma famille qui m'a toujours soutenu dans cette aventure. Sans eux, tout ce que j'ai fait et ferai bientôt ne serait resté qu'un projet dans un coin de ma tête. Merci à mes frères et sœurs, à mes petits-neveux, à mon beau-père et à ma maman évidemment, qui est de loin la meilleure d'entre toutes. Voilà, il fallait que ce soit dit. Vous m'excuserez d'avoir été bavard, mais j'avais tellement de choses à vous dire. Punaise, j'en reviens pas. On va bientôt partir au Japon ensemble. Et c'est que le début. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.